Oh, les gens, alors aujourd'hui on va regarder une vidéo qui s'appelle 50 Pokémon qui ressemblent à des Digimon. Bon, alors faut savoir que Digimon normalement c'est sorti après Pokémon et c'était vraiment un copier-coller de Pokémon presque. Donc c'est parti. Bon oui, je vous mettrai le lien de la chaîne de la personne dans la description. Ah bah oui, non mais Agumon, c'est sûr qu'il était piqué sur... il serait normal, c'est deux reptiles, donc bon, voilà. Ah, il y a un petit air, ouais. Enfin, même si Sharpedo n'a pas de queue, mais... Ah bah oui, alors là, c'est vraiment presque un copier-coller. Hein, c'est tous les deux des oiseaux de feu. Ouais, c'est en fait les deux sont tirés du Doberman, donc bon. T'es pas trop. Ah oui, c'est. Sauf qu'il y en a un. Oh, attendez, il y en a un. Le Ho-Oh, le Ho-Oh-Mon ressemblait plus à un dieu aztèque, mais bon. Ah oui, oula, oui. Ouh, j'avais pas fait la. Oui, il se ressemble vraiment. Vraiment, hein. Ouais, là, il y a quand même une différence entre les deux, mais c'est le même principe. Ah oui. En même temps, sauf qu'il y en a un qui est tiré plutôt du Loch Ness et l'autre d'un dinosaure, mais voilà. Ah oui. Je préfère Rayquaza, hein, quand même. C'est Dramon, il est un peu, il est pas très beau. Ah ouais. Ouais. Il y en a un, c'est un singe, l'autre c'est un... C'est pas vraiment un singe, mais... Oh putain! What the fuck, c'est quoi ce truc? Il a des canons partout! Ah oui! Et les deux, c'est des gros tas d'ordures, sauf qu'il y en a un, c'est de l'électrique et l'autre non. Ouais, enfin, en même temps, c'est pas compliqué, les deux, c'est des Raimanta, donc bon... normal. Les deux ils sont mexicains. Je sais pas pourquoi ils ont fait une tête comme ça. On dirait tous les deux qu'ils sortent du Mexique. Ah oui, non, c'est dans l'autre sens. Je préfère Kingler, hein, Sébastien Forever. Ouais, bah en même temps c'est des baleines, hein, donc c'est pas compliqué de que ça se ressemble. Les deux, c'est tous les deux des baleines. Ah, oula, putain, ils sont vraiment très proches, hein. Vraiment pas mal proches quand même. Oh, la tête de Cherrimon, mon dieu. Et une de ses têtes, ce Digimon. C'est totalement des copier-coller presque. Ah, il a une gueule creepy, le Digimon, hein. Ah, oui. Oui, il y en a un, c'est une bougie, l'autre c'est un chandelier. Donc, oh, la tête qu'il a, le Digimon. C'est un sanglier. C'est totalement un sanglier. Ouais, alors là, juste il y en a un qui a des roses, l'autre il a d'autres fleurs, mais. Bitantron, non, c'est le seul et l'unique. Pourquoi il est tout doré le Digimon, mon dieu? Ah ouais, alors un sécateur est plus petit que Snimon, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh mon dieu, mais c'est juste, on dirait Swanna avec des bottes, avec des chaussures. Ah oui, oh, putain, mon dieu, oui. Ah ouais, en Shiny, c'est flagrant. Hein. C'est le même concept, sauf que Shelmon, c'est un truc qui vit dans la carapace et non qui est possédé par la carapace, mais bon. Ils ont tous les deux la même tête. Tous les deux un peu le même genre de regard. Oh, what? Je le connais pas, son Diramon. Ça me dit rien, mais bon. Il est pas très beau, hein. Ouais, bah c'est le même concept, c'est des têtards.
tous les deux des têtards, sauf qu'il y en a un qui est à quatre pattes et l'autre non. Ouais, mais c'est des poupées en argile, les deux, bambou, je sais plus comment. On dirait totalement une forme de Sidra en métal, de Hypocéan en métal. Je préfère Momon, hein. Mon, je le préfère. Il est plus. Puisque pensage, c'est un peu ouf, pas ouf. Hein. Coca-Butir. What the fuck le nom. Le nom, très chiant à prononcer. Oui, bah ça, Palmon et Jolie Flore, ils se ressemblent. Hein. Parce que Jolie Flore, il est pas toxique, mais. Oui. Il y a une ressemblance. Un peu. C'est des tatous, enfin voilà, non, pas des tatous. Mais... Ah, il y a un peu moins de ressemblance, à part que les deux ont une tête de citrouille, mais bon. Enfin, ou une citrouille. Ils ont quasiment le même nom. Ah, Yann Mega et Yann Mamon. Ouais. Ouais. Sauf que Tentomon est plus fort que Coxyclac, mais bon. Alors oui, c'est un peu le même principe, c'est le même animal, juste qu'il y en a un qui a des poils et l'autre non. Il a l'air très chelou, Wastmon. Hein. Je préfère un Pyrène. Hein. Ah, en plus, ouais non, ça va pas du tout dans la même lignée, mais Gomamon évolue en Ikakumon qu'on a vu avant, mais... Ouais, mais... Le problème, c'est que comme ils sont tous quasiment tirés d'animaux, c'est normal qu'ils se ressemblent un peu. Mushroomon, putain, il va vous foutre une patate dans la tronche, lui. Archeops. Eh ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah. Ouais. C'est pas flagrant. Ça se ressemble, mais c'est vraiment flagrant. Les poubelles! Putain, je me rappelle du Germon. Ce Digimon, je l'avais vu dans un épisode, c'était drôle. Ah oui. Ah là oui. Ouais, bah c'est pas compliqué. Putain, il est. Par contre, il est tellement défoncé, ses tourçons. Munzaemon, voilà, il a toujours l'air défoncé. Oh putain, oui, j'avoue! Ça doit être l'évolution de celui-là. Ah ouais, il a remis une deuxième fois. Mais... Bravo. Ah oui. Oui, oui. Oui, il y a une bonne. Ah bah c'était la fin, ok d'accord. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. On a déjà vu 50 quand même, hein. Oui, j'avoue qu'il y avait quand même des ressemblances. Donc c'est la chaîne du cher DT Drawing. Là, c'était des dessins. Enfin, il fait des dessins aussi de temps en temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka Waka.